Sur toute chose, on peut faire deux affirmations exactement contraires. Protagoras. Selon Protagoras, philosophe de l'Antiquité, tout est relatif aux dispositions de l'individu. C'est l'individu qui est la mesure de toute chose. Protagoras fut un des premiers philosophes à avancer le relativisme, philosophie selon laquelle toute chose est relative. Cette théorie, appliquée à la morale, pose un problème dans le sens où elle impliquerait qu'il n'y ait pas de moralité ou d'immoralité absolue. Cette théorie est l'origine d'un débat moral. La morale est-elle absolue ou bien au contraire propre à chaque individu ?